Salut à tous et bienvenue dans ma 5ème vidéo blog. Je ne sais pas du tout de quoi je vais pouvoir vous parler aujourd'hui. T'es sérieux là? Tu fais une vidéo et tu sais même pas de quoi tu vas causer? Ouais, bah en fait je pensais que le sujet allait venir pendant que je serais en train de commencer, mais là je sèche totalement, faut dire. Eh, c'est peut-être l'occasion de faire une vidéo blog spéciale sexe. Il en est absolument hors de question, Sly. D'ailleurs, tu sais quoi, Morgane? Je vais m'occuper de cette vidéo. Oh mon dieu. Commençons par les préliminaires, en racontant le conte de l'éléphant. Sly, je t'en conjure, laisse-moi trouver un autre sujet. L'éléphant a une trompe. Général! Oh, ok, ok. J'en connais un qui a besoin de sexe, hein. Excuse-moi, Sly Murder, mais je suis un tantinet occupé par ma vie de super-héros, tu vois. Hein? Elle t'a toujours pas rappelé, pas vrai? Ça te regarde pas, ok? En même temps, c'était un canon, faut dire. Et toi, t'es un petit marginal, donc ça m'étonnait un peu qu'elle soit attirée par toi. Oh, la ferme, t'existe pas, alors arrête de la ramener. Peut-être que j'existe pas, mais au moins je couche tous les jours. Misérable tas de papier PQ. Aucune fille ne voudrait de toi. Ah ouais? Eh bah figure-toi que je suis un véritable don juan des cerveaux humains. Je m'appelle Sly Murder. Je suis l'ami imaginaire de Morgan Parker. Je porte des bandages et des lunettes rouges. Attention, je suis le Sly Murder. Oh non, 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 non. Oh non. Ouais, bah avec ta blonde, c'était vraiment pas compliqué. T'avais presque réussi à la pécho, t'étais tellement proche. Ok. Et si on arrêtait de parler des choses qui fâchent, Morgane? Soit, tu ne veux pas que je parle de sexe. Alors je te propose qu'on parle de l'amour. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends d'une fille? Bah, principalement qu'elle m'apprécie pour ce que je suis. Ouais, bah c'est pas gagné, hein. La ferme. La ferme. La ferme, la ferme, la ferme. Tais-toi. Tais-toi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ta gueule. Tais-toi, la ferme, ta gueule. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. La ferme, ta gueule, tais-toi, tais-toi, ta gueule, ta gueule. Tais-toi, la ferme, tais-toi, la ferme, tais-toi, la ferme, tais-toi. Ta gueule, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ta gueule, ferme-la, tais-toi, ta gueule. As-tu déjà eu une petite amie? Eh bien, figure-toi que oui, au collège. Au collège? Sérieusement? Pendant la pire époque de ta vie, tu as connu l'amour. Waouh! Juste. Waouh! Si tu me montres pas un peu de sensibilité, j'arrête, ok? Ok. Excuse-moi. Raconte. Elle avait une cicatrice sur le visage. Les autres élèves l'avaient appelée la balafrée. Je me rappelle qu'un jour, dans un cours d'histoire, je crois, elle était assise devant moi et j'avais besoin d'une gomme, si je me souviens bien. Et je l'ai appelée par son nom. Elle s'est retournée et elle m'a souri. Parce que je l'ai appelée par son nom. Et ce sourire, c'était la plus belle chose que j'avais jamais vue. Et bien, à partir de ce jour, on commença à discuter tous les jours, à se marrer. Et au bout de quelques semaines, et bien... Ok, ça rigole plus, Morgane le petit coquin. Wouh! C'était l'une des rares personnes qui parvenait à me comprendre. Avec ma mère à l'hôpital et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ses parents ont déménagé du jour au lendemain. J'ai même pas eu la chance de lui dire au revoir. C'est vraiment dramatique. T'as pas une vie très ennuyeuse, pas vrai? Crois-moi, mon vieux, parfois j'aimerais bien me faire chier. Et tu pensais avoir tes chances avec Emily? Honnêtement, j'en sais rien. Je pensais qu'avec son amnésie et tout, j'aurais une chance de me faire une nouvelle image. Mais bon. Lui avoir dit que j'étais un destructeur de l'humanité, c'était une très mauvaise idée, je pense. Ça n'a pas bien marché, pas vrai? Je comprends pas, ça semblait si bien parti.
Crois-moi, faut pas chercher à comprendre les femmes. Qu'est-ce qui se passe? L'avenir me fait peur. T'as pas à avoir peur, mec. Je suis là. Merci, ma petite chérie adorée. Ok. Quoi? Tu sais, t'es vraiment mignonne aujourd'hui. Tu vas arrêter. Tes bandages semblent différents aujourd'hui. Tu les as placés d'une manière particulière. Parce que c'est sexy. Mec, tu peux pas te draguer. C'est super glauque. Et ça me fait flipper. Ouh, allez. Toi et moi, dans une baignoire. La 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 la, je n'entends rien, je n'entends rien, je n'entends... Fais-moi l'amour, Slimer d'heure. Au revoir, mon amour.